Bonjour ou bonsoir, chers frères et sœurs, ça dépend de là où vous êtes. Je réponds au nom de Paulin Banguti. Je vous parle en ce moment de Kigali, au Rwanda, où nous œuvrons pour l'œuvre de Dieu. Et ce matin, sur invitation, j'ai voulu partager un petit sujet. Je sais que c'est un sujet de partage, de communion. Il y a beaucoup qui vont nous suivre dans beaucoup de différents coins du monde. Alors nous avons voulu faire un sujet qui pourra aider chacun, pour que chacun se sente édifié. Et je sais qu'il n'y a jamais eu de sujet qui met tout le monde à l'aise ou qui met tout le monde d'accord. Mais néanmoins, c'est un sujet que chacun pourra voir et dire. Là, il y a matière à réflexion. Là, peut-être qu'il faut que je revoie ce que je fais. Ou là, il faut que je pose encore la question, ainsi de suite, que chacun soit justifie ce qu'il fait, ou qu'il remette en question ce qu'il fait, ou alors c'est moi-même qui serai remise en question et je serai toujours content d'avoir n'importe quelle question qui pourra revenir. Aujourd'hui, Frère Branham dit que ce qui se passe dans le naturel est souvent la même chose qui se passe dans le spirituel. C'est en parallèle. C'est pas la même chose exactement, mais il y a beaucoup de parallélisme entre le naturel et le spirituel. Et moi, en tant que médecin, j'ai voulu un peu paralléliser ce que je vois dans la médecine, ce que je vois dans le spirituel, dans l'Église. C'est en fait deux petites choses. Et c'est autour de ça que tournera mon sujet. C'est quelque chose qui est un peu rigolo, mais qui va nous prêter matière à réflexion. C'est la mortalité maternelle et infantile. Et aussi la mortalité due au trauma sur la circulation routière. Ce sont des choses qui se passent beaucoup plus dans le monde sous-développé, mais qui n'existe pas dans le monde développé. Nous allons voir pourquoi dans le monde développé, la mortalité maternelle et infantile diminue, la mortalité liée au trauma, donc maternité maternelle, infantile et accident lié au trauma qui diminue, alors que dans le monde sous-développé, ce sont des choses qui font rage. Et nous allons paralléliser cela avec ce qui se passe dans l'Église aujourd'hui. Les églises qui sont les mères en train de mourir. Des enfants qui sont nés de nouveau, mais qui se meurent. Et beaucoup des embouteillages, des accidents de circulation, des prédications dirigées, mal dirigées, insultées contre tel ou contre tel. Pourquoi des embouteillages sur la circulation? Alors que Branham a laissé mille et une, 1 000 ou 2 000 brochures, des sujets qui ne finiront jamais. La Bible est pleine, 666 livres. Beaucoup de versets à prêcher, mais pourquoi les gens sont en train de se cogner, de se traumatiser sur les mêmes sujets, sur les mêmes routes? Pourquoi est-ce que les églises qui sont nos mères sont en train de mourir? Pourquoi les enfants, nous les membres d'église, enfants qui naissons, sont en train de mourir? La mortalité maternelle et infantile qui s'élève et la mortalité liée au trauma dans les églises. Eh bien, cela va faire l'objet de notre prédication aujourd'hui, mais dans une façon du message. Je m'excuse de vous perdre un peu dans mon sujet, mais c'est pour attirer votre attention. Donc, notre sujet, allons tout droit vers Apocalypse chapitre 4, un seul verset. Le verset 1. Après cela, je regardais, et voici une porte était ouverte dans le ciel. La première voix que j'avais entendu comme le son d'une trompette et qui me parlait, dit, monte ici, je te ferai voir ce qui doit arriver dans la suite. Mon sujet donc sera, monte un peu plus haut, monte ici, avec comme inspiration, passer du chiffre 3 au chiffre 4. Si nous ne montons pas un peu plus haut, que nous restons sur la circulation normale, les véhicules se cognent sur la route. Même les avions commencent à faire des accidents et tomber. Il faut qu'ils montent un peu plus haut.
Voilà les églises qui donnent naissance, mais malheureusement, en donnant naissance, elles s'enorgueillissent et meurent. Les églises meurent et ces enfants meurent. Il faut qu'ils puissent monter un peu plus haut. Parce qu'en Apocalypse 10, il est dit que cette femme-là qui avait mis naissance, qui avait donné naissance, il y avait un dragon qui est venu derrière, qui attendait cet enfant. Et donc, il a fallu que deux ailes de l'aigle soient données à cette femme pour qu'elle s'en aille. Si cette femme n'avait pas pris les deux ailes de l'aigle, elle serait avalée par le dragon, elle serait morte, et même son enfant serait mort. Donc, monte un peu plus haut. C'est ça notre sujet aujourd'hui. Quitter le chiffre 3 et aller vers le 4. Première brochure, première citation, nous lisons dans la Brèche, au paragraphe 155. Il est dit, et Jean dans l'esprit est là, et Jean dans l'esprit est là dans le ciel. Il vient d'être ravi. Là, après les âges de l'Église, vous voyez, il avait vu les âges de l'Église. Ensuite, il a été ravi au chapitre 4. Il a dit, monte plus haut, je vais te montrer les choses qui vont t'arriver. Et il a vu quelqu'un qui était assis sur le trône avec ce livre dans la main. Et dans sa main droite, pensez-y, bon. Et puis, dans ce livre, il y avait un titre de propriété pour la rédemption. Il était scellé de sept sceaux. Dans le livre Révélation chapitre 4, deuxième partie, les 24 anciens, paragraphe 39, il est dit ceci. Puis le Seigneur voulant, si donc nous sommes là, peut-être le dimanche prochain, nous essayerons de continuer. Nous essayerons de voir si nous pouvons terminer ce chapitre 4 avant de nous en aller. Nous ne savons pas encore exactement ce que sera le point de départ. Bon, nous voyons cela, après ces choses. Frère Madame dit, après signifie après que les âges de l'Église sont terminés. Donc, Frère Madame, parlant du chapitre 4, il dit, on a dit après. Ça veut dire, c'est après que les âges de l'Église sont terminés. Puis Jean reçut l'ordre de monter plus haut. Monte ici, ce qui signifie monte jusqu'ici. Et il lui avait été montré tout ce qui arrivera dans le monde des âges de l'Église. Puis après que les âges de l'Église sont terminés, nous avons vu que Jean était un type de chaque vrai croyant, à qui Christ donnera l'ordre de monter dans les lieux très hauts. Donc après, à la fin des âges de l'Église, Christ donnera à chaque croyant l'ordre de monter dans le lieu très haut, n'est-ce pas? Il lui sera donné cet ordre. Monte ici. Nous avons aussi vu que la voix qui lui avait parlé, c'était la voix d'une trompette claire, distincte, et que c'était la même voix qui lui avait parlé ici sur la terre. Vous voyez, aussi longtemps qu'il se trouvait au milieu de cette lampe d'or, il parlait à, ou plutôt du milieu d'elle, et j'aime cela. Il parlait du milieu des lampes. Vous voyez, il était au milieu des lampes, parlant du milieu d'elle et à son église. Puis, quand les âges de l'église furent terminés, il quitta la terre, s'éleva dans les lieux célestes et appela ses rachats à monter avec lui. N'est-ce pas beau? Cela fait bondir mon cœur. Et quand il les appelle à monter, ils ne vont pas là-bas pour la fête des noces, ils ne vont pas là-bas ou bien pour dire que la prédication est finie. C'est là qu'il va leur révéler les choses qui doivent arriver. Donc, à la fin de cet âge de l'Église, on a bien fini nos âges de l'Église, on a encore des choses à comprendre. Et ces choses, pour les comprendre, nous devons monter un peu plus haut. Monte ici pour voir les choses qui doivent arriver. Voyons un peu ce que Frère Branham dit dans la fête des trompettes, paragraphe 28. Bon, j'ai d'abord remarqué là, en prêchant les sept âges de l'Église, qui sont le modèle, ou qui préfigurent tout ce que Dieu allait faire pour les Églises et par les Églises qui les avaient positionnées.
Les trois premières étapes du livre d'Apocalypse révèlent tous les événements qui ont trait à l'Église. Ensuite, du chapitre, il est écrit du chapitre 3 jusqu'au chapitre 19, mais nous verrons que c'est du chapitre 4 jusqu'au verset 19 de l'Apocalypse, on ne voit plus l'Église. L'Église monte au chapitre 4 de l'Apocalypse et elle revient au chapitre 19 de l'Apocalypse. L'épouse et l'époux qui reviennent ensemble sur la terre. Et puis, du chapitre 19 jusqu'au chapitre 22, il est uniquement question du millénium et de ce qui suivra et des années qui suivront. Du chapitre 4 jusqu'au chapitre 19, cette période-là, Dieu traite avec Israël. Donc, au chapitre 4, ça veut dire après le chapitre 3, après les 7 âges de l'Église, un appel vient pour nous dire, monte ici. Du chapitre 4, l'épouse ou l'Église est appelée à monter pour voir les choses qui doivent arriver, pour avoir une autre prédication, pour comprendre quelque chose de nouveau. Tu as bien fait. Tu as été au chapitre 1, chapitre 2, au chapitre 3. C'était très bien. L'Église s'est bien comportée. L'Église a bien échappé à Laodicée. Et l'Église est enceinte. Mais tu ne peux pas survivre en restant dans les âges. Il faut monter pour aller recevoir quelque chose d'autre qui doit arriver. Pour aller recevoir une autre prédication, pour aller recevoir une autre portion de l'Écriture, une autre portion de l'Esprit qui doit t'amener dans un autre endroit. C'est là qu'il y a la sécurité. Allons-y maintenant avec nos trois et nos quatre. Dans la prédication, la semence ne rit pas avec la balle. Prêché le 18 février 1965, au paragraphe 48, Branham dit, nous comprenons aussi que Dieu est rendu parfait en trois. C'est pourquoi j'aime cette citation ici, c'est pour montrer le trois, et la Bible en parle. Dieu est rendu parfait en trois. La grâce est en cinq, l'accomplissement est en sept, comme le monde. Dieu est rendu parfait en Père, Fils et Saint-Esprit. C'est la perfection de la divinité. Le tout formant un Dieu en trois manifestations, des trois attributs d'une fonction ou trois fonctions dans la seule divinité. Il y a aussi trois pas de la grâce pour la perfection de l'Église. Justification, sanctification, baptême du Saint-Esprit. Cela consiste en la nouvelle naissance. Juste le type de la naissance naturelle. Lorsqu'une femme donne naissance à un enfant. Donc, à la troisième étape, vous donnez naissance à un enfant. L'Église donne naissance à un enfant. La première chose qui vient, c'est l'eau, ensuite le sang, puis la vie. La Bible, dans la version anglaise, dit dans 1 Jean 5, 7, je crois, il y en a trois qui rendent témoignage dans le ciel. Le Père, la parole, qui était le Fils et le Saint-Esprit. Ces trois choses sont un et il y en a trois qui rendent témoignage sur la terre, l'eau, le sang et l'esprit. L'eau, le sang et l'esprit, ces trois s'accordent en un. Jusque-là, c'est parfait. Les trois, vos trois, la justification, la sanctification et le baptême du Saint-Esprit, trois s'accordent en un. Mais qu'est-ce que nous voyons? Avec ces trois choses, les églises donnent naissance et ça marche. Les gens sont nés de nouveau. Mais qu'arrive-t-il à un enfant né de nouveau? Qu'arrive-t-il à un enfant à qui on a donné naissance? S'il ne s'élève pas, s'il ne monte pas plus haut, qu'est-ce qu'il va faire? Il va arriver au point de commencer à manger ce qu'il y a sur la terre. Il va commencer à boire de l'eau qu'il y a sur la terre parce que son besoin a grandi. Quand il rentre et qu'il boit de l'eau, il tète, il ne met pas sa main à la bouche, pas souvent. Et donc la maman prend soin de lui. Mais un enfant qui devient plus grand, qui est né, qui grandit, mais qui ne peut pas se mettre un peu plus haut, qui ne peut pas monter plus haut, qui va continuer à manger, à utiliser ses mains pour marcher à quatre pattes et manger avec les mêmes mains, il va avoir des infections. Il ne va pas grandir. Il va rester un bébé selon l'esprit. Son cerveau va mourir. Et même sa maman elle-même devient à risque de mourir. Voilà pourquoi le taux est élevé
pour la mortalité maternelle et infantile. Les églises qui ont amené des nouvelles naissances s'en sont enorgueillies. Elles ont commencé à regarder au nombre des gens qui sont dans l'église, au nombre de ceux qui parlent en langue, au nombre de ceux qui viennent et disent, nous sommes riches et nous n'avons besoin de rien. Voilà là où l'église commence à mourir. Ces enfants qui naissent de ces églises, qui n'ont rien d'autre pour les faire grandir, parce que la nature a horreur du vide. Vous naissez et on ne vous donne rien pour grandir, vous ramassez ce qu'il y a par terre. Qu'est-ce qu'ils ramassent alors? Les habitudes pentecôtistes, la musique, les parler en langue, les comparaisons. Nous avons ces enfants qui sont réellement nés de nouveau, mais qui se meurent par manque de connaissances. Voilà ce qui nous arrive. Nous avons ces églises qui ont bien commencé, un, deux, trois, qui ont pris de bonnes prédications, mais à un moment donné, ces églises sont à court de révélations. Ces églises sont à court d'inspiration. Alors, ils commencent à se répéter, à se copier les unes des autres, à chercher les prédications dirigées. Voilà ce qui a comme traumatisme sur la voie routière des églises. Une église qui se compare à l'autre, une église qui se cogne à l'autre, des petits conflits. Pourquoi? Parce qu'ils sont en train tous de nager dans les mêmes eaux. Ils sont en train tous de se comporter sur la même route. Il y a des embouteillages, il y a des accidents routiers. Il y a ces mamans qui ont donné naissance à des enfants. Ces enfants ne grandissent pas pour revenir spécialisés pour prendre soin d'elles. Qu'est-ce que la médecine a fait? La médecine a commencé par d'abord, avant, il y avait beaucoup de mamans qui donnaient naissance aux enfants. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ces enfants ont été éduqués, envoyés dans une éducation supérieure pour être des bons médecins, pour être des bons ingénieurs, pour être des bons laborantins, pour être des gens éduqués qui sont revenus pour prendre soin de ses mamans et de ses filles, afin que la maternité soit beaucoup plus poussée et que l'éducation puisse encore aller à une autre étape. Voilà pourquoi les pays développés finissent par diminuer la mortalité maternelle et infantile. Voilà parce que après la naissance, ils investissent dans l'éducation. L'enfant qui est né, on ne se réjouit pas seulement de sa naissance, mais on fait de lui un enfant éduqué pour qu'il revienne prendre soin de cette église. Mais aujourd'hui, nous avons des enfants éternels dans les églises. Il est né, il est membre d'église, il ne grandit pas pour prendre soin de l'église. Le pasteur veut rester le même qui parle. Des vieilles prédications de 1970, 1975, 1980, ce sont les mêmes qui veulent nous faire avaler en 2020 et les gens ont le sentiment du déjà-vu. Les gens ne peuvent plus évoluer. Et du coup, ces enfants à qui vous avez donné naissance se mettent sur le banc pour commencer à critiquer. Vous commencez une citation et la terminez. Parce qu'il n'y a pas de nouveauté. Et quand vous allez vers eux, vous trouvez qu'ils ont de nouvelles choses. Et puisqu'ils n'ont pas été préparés à l'enseignement, ils ne peuvent pas enseigner cela. Voilà le combat qu'il y a entre la mère Église et les enfants. Et les enfants qui ne sont pas préparés à prendre la relève commence maintenant à se battre contre la mère patrie, contre l'Église. Et en se battant, il y a des embouteillages, il y a des traumas sur la voie routière, il y a la mortalité maternelle, il y a la mortalité infantile, et ça produit des dégâts. Cette Église qui était jadis forte, aujourd'hui devient impuissante et elle ne peut plus évoluer. C'est pourquoi il faut monter un peu plus haut. Jean, à la fin de cet instant de l'Église, monte un peu plus haut. Quitte là où tu es, quitte la voie routière, monte un peu plus haut. Voilà pourquoi les gens commencent à créer des voitures avec des ailes, comme des avions qui peuvent s'envoler un tout petit peu quand il y a embouteillage et redescendre là où ils veulent. Pourquoi? Parce qu'il y a embouteillage routier. Les gens veulent exploiter l'espace aérienne. Les gens veulent exploiter en haut. Les gens veulent construire des maisons en étage parce que sur la terre, c'est embouteillé, c'est plein, c'est full. Il faut monter un peu plus haut. Les trois, c'est bien, ça produit la naissance, mais il faut un quatrième. Voilà pourquoi il fallait qu'il y ait le quatrième être vivant, l'aigle qui s'envole
Lui n'est pas de la terre. Lui n'est pas le veau. Il n'est pas le lion. Il n'est pas l'homme terrestre. Mais lui, il s'envole. Voilà pourquoi il fallait un quatrième homme dans la fournaise ardente pour sauver Daniel avec ses frères. Un quatrième. Voilà pourquoi il faut toujours un quatrième. Nous allons voir maintenant un exemple parfait de la quatrième étape. Dans le message, le compte à rebours, prêché le 25 novembre 1962, paragraphe 23. C'est une longue lecture, mais qui produit de bons effets. Surtout qu'il nous reste plus que quelques 5 minutes, 5 à 8 minutes. Nous devons donc commencer à atterrir. Il y a beaucoup à dire, il y a beaucoup d'éléments à donner, mais ça, c'est juste un avant-goût avant peut-être de développer dans le futur. Compte à rebours, paragraphe 23. Par exemple, prenons maintenant l'exemple du domaine de transport. Il y a eu un temps où on avait le cheval et le buggy. Et après, nous avons eu l'automobile. C'est toujours la puissance en chevaux. Vous vous rappelez, pour les scientifiques, du cheval vapeur. On a commencé avec des chevaux. Puis, quand on a fait la voiture, on a donné la puissance en termes de cheval vapeur. Mais il n'y en a plus dans l'automobile. Ça a été une amélioration de la puissance des enchevaux. Certainement, lorsque nous avons eu l'automobile, celui-ci a offert plus d'avantages par rapport au cheval et au buggy. Et alors, nous sommes montés sur le cheval et sur le buggy, puis nous avons pris l'automobile. Et après l'automobile, les frères Wright sont venus et ont fabriqué un avion. C'est toujours la puissance en chevaux, mais c'est une version améliorée. Cheval, automobile, puis avion. Un, deux, trois. C'était bien, c'était une version améliorée. L'un accompagne l'autre. Une réalisation accompagne une autre tout le temps. Eh bien, comme les choses maintenant, ne manquez pas de saisir ceci. Ouvrez largement les oreilles, les cœurs et tout maintenant et écoutez attentivement. Lorsque quelque chose arrive sur la terre, c'est un avertissement pour nous que quelque chose est sur le point d'être, d'arriver du ciel. C'est ce que l'homme fait sur la terre par ses relations, par ses réalisations, c'est ce que Dieu s'apprête à faire par ses réalisations aussi, pour son Église. Eh bien, nous remarquons que lorsque nous sommes passés du cheval et du buggy à l'automobile, à l'avion, l'Église, Dieu a pu, dans le spirituel, faire des réalisations, allant de la justification par Luther, la sanctification par Wesley, au baptême du Saint-Esprit aujourd'hui. Voyez, un, deux, trois. Voyez, c'est un type, un nombre, une réalisation de ce que Dieu est capable d'accomplir. Ce qui était encore dans l'automobile. La même puissance en chevaux qui peut se faire avancer. Le cheval a fait la même chose pour l'automobile. Paragraphe 26. Maintenant, les choses ont tout à fait changé parce que la science fait des progrès. Et nous parlons toujours de la science. Mais examinons pour voir ce que nos grands enseignants, ces hommes de science font. Considérez que Dieu est en train de faire ce que Dieu est en train de faire avec son Église. Aujourd'hui, nous sommes entrés dans un âge. Ce n'est plus celui du cheval ou du buggy, ni non plus de celui d'automobile, non, ni non plus celui de l'avion, même si c'était bien. Maintenant, il y a des astronautes. Oh là là, c'est celui-ci est l'âge de l'astronaute. Oh, quelle grande chose! Le cheval et le buggy étaient des moyens terrestres. Mais maintenant, nous sommes dans l'âge de l'astronaute. C'est pareil pour l'Église. C'est le grand revirement que je n'arrive pas à présenter devant les gens. Ils se sont établis sur l'avion, baptême du Saint-Esprit, sanctification. D'autres se sont établis sur un cheval et sur des bougies. Mais Dieu a un âge de l'astronaute. Et oh, quel âge dans lequel vivre! Il n'est pas étonnant qu'on n'arrive pas à comprendre. Mais vous voyez, quand Dieu laisse l'homme faire quelque chose, c'est pour montrer à l'Église qu'il est en train de faire quelque chose d'autre. Voyez, il cherche toujours à ramener les choses anciennes.
Il cherche toujours à ramener les choses anciennes. Oh, nous, quand nous étions, vous voyez à notre époque, et vous voyez quand nous, quand on devait prêcher le dimanche, on se consacrait pendant même une semaine pour une prédication. Oui, c'est pas mal, mais Dieu est allé à une autre étape. Et aujourd'hui, s'accrocher au cheval et au bouddhisme, c'est juste, c'est révolu. C'est de l'histoire. C'était bien en son temps, mais c'est une époque révolue. Gloire. Serrer la main du prédicateur était une bonne chose il y a longtemps, mais cela est révolu aujourd'hui. La dénomination a fait son temps. Nous sommes au-delà de ça maintenant. Nous sommes dans l'âge de l'astronaute. Nous sommes en train d'atterrir. Hein? Maintenant, je commence à me sentir religieux. L'âge de l'astronaute, c'est ce qui embrouille complètement les gens. Quittez vos trois et allez dans le quatre. Montez un peu plus haut. Ils ne savent que penser de ces choses. Vous voyez, ils ne savent comment saisir cela. Remarquez, cependant, dans cet âge de l'astronaute, il y a le même esprit, la même puissance, exactement comme il en était de la puissance en chevaux. Eh bien, dans cet âge de l'astronaute, dans le naturel, il y a aussi un âge de l'astronaute dans le spirituel. L'âge de l'astronaute dans le spirituel. Qu'est-ce? L'Église est donc passée de l'avion, comme dans le naturel, et a effectué un vol plus haut. Être dans les lieux célestes, c'est bien. Mais dans les lieux célestes, ça dépend quel type de lieu céleste. Est-ce que vous êtes dans les lieux célestes dans l'avion ou dans la fusée? Tous nous sommes dans les célestes, mais dans des dimensions différentes. C'est pourquoi c'est bien d'aller dans les lieux célestes, mais il faut savoir, on peut être dans les célestes dans l'avion, tout comme on peut être dans les lieux célestes dans la fusée. C'est pourquoi, dans l'âge de l'Église, il y a les lieux célestes de l'âge de l'Église de la Odyssée. Là, c'est dans l'avion. Mais il y a aussi les lieux célestes dans la fusée, quand la voix t'appelle, monte ici, je te montrerai les choses qui doivent arriver. Eh bien, cet astronaute-là, aucun avion ne le rattraperait. Il atteint un point d'où il ne peut même plus voir. Paragraphe 29, des astronautes. Gloire, l'âge de l'astronaute, assurément des aigles, des prophètes de Dieu entrent en scène. Paragraphe 30. Or, l'astronaute peut voir les choses que le cheval, le buggy, l'automobile ou l'avion ne peuvent même pas voir. L'astronaute spirituel, ce sont des aigles qui s'envolent. Voilà pourquoi doit y avoir le quatrième messager de la restauration de l'arbre épouse. Le premier, c'est Luther. Le deuxième, c'est Wesley. Le troisième, c'est la Pentecôte. Et qui est ton quatrième? Frère Madame dit, la parole. Qui? La parole. C'est un messager qui vous fait quitter le pentecôtisme vers un autre âge. Ce quatrième être vivant, l'aigle aux ailes déployées, pas un aigle dans l'église, mais un aigle spread eagle, un aigle aux ailes déployées. Le quatrième homme dans la fournaise ardente, la quatrième manifestation de la vision d'Ézéchiel. Ça, nous en parlerons encore. Les trois étapes, c'était bien, mais il fallait la quatrième manifestation pour qu'il soit une grande armée. C'est la quatrième, le quatrième jour de la restauration qui est aussi appelé le quatrième et le huitième jour, ou alors l'éternité. Voilà ce à quoi nous appelons l'Église pour diminuer la mortalité maternelle, infantile et la maternité, mortalité liée au trauma. Il faut que l'Église monte un peu plus haut. Il faut que l'Église soit amenée à un niveau où les enfants ont quelque chose à apprendre, à être préparés. Le mentorat de l'Église, le mentorat des nouvelles naissances, pour que les gens soient préparés à prendre la relève. Il faut que les gens puissent nager, puissent voler dans les lieux supérieurs, de temps en temps, comme on dit sur l'échelle de Jacob, montant et descendant sur l'échelle de Jacob. Donc, je vous remercie. Et que l'Éternel prenne soin de chacun. Que Dieu vous bénisse. Oh.